non con Apple, che si chiama solo del Moïse, attaché à ce que pour ces pétro-caribéens faites dans bonne et due forme sans pas gagner persécution politique là-dedans. Et c'est sous administration par là, particulièrement administration Moïse Asseyan, que l'État haïtien t'est porté plainte en question si là, et à partir de plainte que l'État t'est porté là, ça fait que procès a mis en cours. Donc, je ne vous dis pas, qu'on se verrait compte sorti de l'État sur le rapport lui, et nous capables de comprendre que au niveau du rapport ça, que qu'on se verrait compte sorti là, côté encore, il y a aussi des noms président Jovenel Moïse, de fait, nous capables comprendre que le rapport a gagné personnalisé comment donc ça c'est un peu la parole qui se fait dans la conscience le bon rapport ou amuser ou obsiter non un président en temps et un rapport pendant que c'est un compagnon qui t'a fait un travail et que loi n'a pas établi normes et que ou sorti dans quatre là dans quatre normatifs là et puis pour citer nous un président en dans rapport donc que ça c'est voulu c'est ça fait que nous dit que c'est le président c'est le grand citoyen hein, qui était gagné l'argent n'est pas normal quand même c'est le citoyen guerrier qui était gagné qui était gagné organisation qui était compagnie qui était gagné contrat dans quatre projets de Caribéa et qui fait que mon cité nous d'accord mais c'est pas seul non tout qui nous parle en journaliste c'est pas dans le rapport là quand même est-ce que c'est mon président seulement qui s'était dans le rapport là c'est ça qui fait l'objet c'est ça qui fait l'objet je te fais déjà refais encore et nous dit encore que rapport ça a couché des codes produits rapport qui pillait la donne et c'est même au supérieur des comptes ça qui retournait les contrats à l'État haïtien était signé avec la compagnie générale électrique là donc qui soit dit pour contrat ça la Cour des comptes retournait dans le là en fait on voit que par rapport à contrat sous question pour arriver électrifier PIA et dans le cadre volonté manifeste que le président Jovenel Moïse Guéin qui vous a permettre que Haïti arrive électrifié et que c'est un rêve que le carré c'est très cher et c'est un rêve où tout Haïtien attend les concrétiser, les matérialiser. Il y a divers efforts qui fait déjà dans le domaine là. Un, pour démonopoliser le secteur énergétique là, ça fait déjà, et puisque il y a là divers monde qui avaient produit l'électricité pour vendre, ils sont capables en fonction de mon cadre légal qui crée pour ça. Deux, ils ont voulu refaire réseau à tous les niveaux, donc qui vous permettent que courant produit et transporter courant pour courant qui rentre la caïmonio, pour monde qui, que ce soit au niveau industriel, au niveau ménage, tout le monde qui a voulu bénéficier de courant. Et voilà, non, nous connaissons que dossier ça, eh bien, politiquement, il y a des parlementaires qui pas dérivé voter lorsqu'il était paré devant le Parlement, il n'y a pas de chita sur lui. Et en dehors de ça, et que le président Jovenel Moïse, administration Moïse Jouplan, eh bien, faire des efforts diplomatiques, il est venu en tête avec le pays Taïwan, et que finalement, il y a une compagnie, Général Électrique International, il fait un contrat ensemble.
et que yo soumette les, à l'attention de cour supérieure des comptes et qu'il y ait un travail préalable qui fait pour tout pareil qui va aller très vite dans le cadre de bénéfice de l'urgence et bien il y a des recommandations qui étaient faites d'une façon informelle et que yo te chita sur recommandations qui étaient faites pour être formalisé et voilà que maintenant cour supérieure des comptes dit que lui tourne un contrat pour question de normes et de principes là où est que il y a une conspiration contre intérêt et population hein, ou un complot contre pays. Mais cependant, le gouvernement entend, à partir de ça que Couchevert est compté et recommandé, eh bien, entend fignoler et contrat et retourner et nous espérer fois ça au niveau de Cour supérieure des comptes, eh bien, il va sortir dans la conspiration, il va sortir dans le complot. Il va avoir conscience comme haïtien et comme haïtien, il faut que le pays avance et il faut que le pays développe alors que l'énergie électrique joue un rôle important dans le développement du pays, dans la croissance du pays, eh bien, il va comprendre que pour eux-mêmes qui ont participé, dans aider que le pays a électrifié normalement, suivant les normes, suivant les principes et suivant la loi. Donc, retour de dossier ça, eh bien, nous qualifions de conspiration, nous qualifions de complot contre le pays, et aussi par rapport à ça que l'institution a fait, on a institution notifiée des CEA, eh bien, nous sommes capables de dire tout simplement que en termes que normes ne pas respectées, nous sommes capables de dire que c'est une subjectivité camouflée dans une fausse objectivité. Et donc, on ne pas quoi, même genre, à l'autre monde qui ont estimé que empressement pouvoir pour être capable de faire un contrat ça, le passé, t'as qu'à mettre en danger intérêt l'État. Pas qui pensent qu'ils sont d'empressement de pouvoir pour faire dossier avancé, mettre en danger intérêt l'État. Pouvoir agir, actionner l'État suivant les principes, suivant les normes établies, suivant la loi qui est établie dans le pays. Dirigeant là pour capable d'appliquer la loi, dirigeant là pour faire respecter la loi, dirigeant là pour accomplir la loi. Donc, dirigeant pas là pour partir outre de la loi. Donc, administration Moïse et Joukla, lui était dans le cadre de la loi, dans le cadre de respect de la loi. Donc, c'est vrai qu'il y a un dossier qui est présenté et que vous voulez finaliser le dossier, vous voulez matérialiser l'opération, les objectifs qui sont capables d'électrifier électrifier le pays, mais il y a empressement, non, pas qu'il y a empressement, tout va être fait minutieusement bien et vous finissez le dossier pour être capable de rester dans le cadre de la loi et pour avancer à la question. Ajouter l'élément qui manque en tuyau pour être capable de nous bien dit, puisque nous dit il y a conspiration et nous dit il y a conspiration contre l'intérêt de la population, hein? Il y a complot contre le pays et nous dit que Cour supérieure des comptes et bien produit des recommandations. Donc par rapport, ne pas dire ça qui manquait, son institution, eh bien, lui produit des recommandations en fonction de ça que le produit comme recommandation, eh bien que l'institution concernée dans le cadre suivi et contrat ça, eh bien, a fignolé, il a arrangé, il a ficelé en fonction de recommandations. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas entendu à son bras de fer à une institution que la loi établit, mais tout simplement nous dénoncer le comportement biosociopolitique institution hein, qui a fait conspiration et nous dénoncer. Mais pendant que nous faisons dénoncer là, pédagogiquement, on a avancé à dossier là, pour que le plus rapidement possible, Haïti arrive à bénéficier de l'électrification, hein, suivant le norme, le principe et loi pays qui établit. Donc, président Jovenel Moïse toujours attaché à norme, à principe et à loyau. Donc, administration Moïse Joukla, eh bien, attaché à loi, à norme, à principe, eh bien, n'a avancé. Pendant que pédagogiquement, nous fait ressortir pour positionner comme pouvoir, comme exécutif, pour nous avancer à question 1, et institution qui en face là, qui produit et qui écrit
figurer des recommandations, qui produit des recommandations, mais dans le sens qu'il produit des recommandations, on a gardé l'égalité et normativité de recommandations SAIO et que pour que nous sommes capables d'harmoniser, on a fait harmonisation du champ que nous souhaitons là, dans l'intérêt national, dans l'intérêt pays, on va avancer, mais nous tout disons que des conspirations contre l'intérêt population pas capable de continuer, complot contre le pays pas capable de continuer, puisque victoire c'est pour le peuple et patron président Jovenel Moïse, c'est le peuple haïtien. Donc là, travail pour le peuple, livré par le peuple service, livré par le peuple haïtien, et accès à courant, et bien personne n'est capable de livrer, bloquer le processus ça, puisque c'est. C'est peuple qui a gagné et victoire, c'est pour peuple. Avec Crispin, et la Cour des comptes, l'institution, l'État qui a travaillé contre l'intérêt peuple, et argument ça, les anomalies là-dedans, bon, nous poser une question ça pour être capable de chercher pour un certain équilibre. Comment trouver des matchs, c'est je dis, qui engagent les mêmes batailles contre la corruption et bon dossier l'ouvrir là, la tombe de monde, le temps des sénateurs, il y a la tortue qui tombe de l'autre côté, on a parlé de PC. Question politique pour nous, dans le pouvoir, travail qu'on fait au niveau ILCC, comment nous trouvons Sénateur Yuri La Tortue, lui fait cheval de bataille, lui, lutter contre la corruption dans le pays. D'ailleurs, en tant que sénateur en fonction, il était président commission anti-corruption. Mm-hmm. Et d'autres mondes dans le pays qui comprennent que corruption sont gangrène, faut nous capables de gangréner corruption dans le pays. Le président Jovenel Moïse a clairement dit que il y a 5 problèmes majeurs qui finissent avec le pays. Ça, problème 1, c'est corruption, 2, c'est corruption, 3, c'est corruption, 4, c'est corruption, 5, c'est corruption. D'où nécessité impérieuse pour société, pour pays, pour l'État, bien, lutter contre la corruption. ILCC, c'est une institution qui est créée pour capable de bataille contre la corruption, lutter contre la corruption à tous les niveaux en tant que société. ILCC, dans le cadre d'attribution légale et constitutionnelle que l'on gagne par rapport à la loi qui est créée là et par rapport à la mission que l'on attribue, la loi attribue à Bali, eh bien, a fait travail de lutte pour la corruption, travail de lutte contre la corruption, lui établit des mécanismes, la paix enquêter, la paix investiguer, et bien jusque-là, l'ULCC était dans le cadre travail, l'ULCC était dans le cadre fonctionnel travail, il était dans le cadre organique travail, là, on ne peut pas parler de persécution à politique, puisque nous tous haïtiens, nous conscients, fournons livrer les batailles contre la corruption à tous les niveaux, parce que corruption finit à pays ça, et vous voyez une corruption dans le niveau d'État, dans la société civile là, vous voyez dans la politique là, vous voyez dans le métier et tout, tout partout, vous voyez en tant assemblée chrétienne et tout, dénomination chrétienne, je dirais, et bien puisque corruption en l'intérêt des pays, je vous dis, nous-mêmes comme citoyens, cap agir en bon citoyen, de par devoir constitutionnel de citoyen, nous avons une responsabilité pour que nous bataillons contre la corruption, puisque corruption, c'est ennemi sous développement, c'est ennemi développement. Corruption, c'est ennemi progrès. Corruption, c'est ennemi état de droit. Corruption, c'est ennemi autorité de l'État. Corruption, c'est corruption qui engendre pauvreté, corruption engendre misère, corruption engendre sous-emploi, corruption engendre tout ça qu'on connaît qui n'est pas bon. C'est corruption qui parle bon, c'est facturation, c'est corruption qui parle bas haut. C'est la corruption qui va le bas ou les autres qui ont fait un douanier, c'est la corruption qui va le bas ou évasion fiscale, etc. etc. Donc, pour une société à marcher, pour que nous portions des corrections nécessaires, eh bien, nous avons tout intérêt à quelques niveaux que nous avons dans la société, de quelques groupes que nous avons appartenus, et de quelques pouvoirs que nous avons appartenus, à quelques groupes de l'opposition politique que nous avons appartenus, à quelques positions que nous avons appartenus dans la société. Civil-là, en tant que bon haïtien, citoyen haïtien, honnête, responsable, sérieux, pour nous batailler contre la corruption, pour battre une persécution politique jusque-là, que l'ULCC a pu faire. L'ULCC, il suffit seulement que journalistes, observateurs, dans le pays, quand il y a une loi ULCCA,
enquête sur une institution, sur quiconque, quel que soit le monde, l'ULCC qui doit faire une enquête sur quel que soit le monde, que dans le pouvoir, que dans la société civile, que dans l'opposition, oui. C'est pas parce qu'il y a une enquête qui fait que c'est probable, qui fait que ça a et pour qui ça, la Cour des comptes même comme plus gros tribunal administratif pays, pas qu'à bailler un avis défavorable. Pour qui ça obligé de complot dans ça le fait là comme travail, alors que l'ULCC lui-même pour faire travail, c'est normal, l'ULCC et la Cour des comptes lui-même, c'est un complot lié. Guerrier, non. Façon qu'on développe entité psychologique, façon qu'on développe, mais un jour, qu'à laisser comprendre, nous fait une différence par rapport à deux institutions d'État et qu'a fait et travail. Et que cadre de référentiel que nous disons, chita sur technicité et approche du travail qui a fait là. Pas qu'il y a personne au niveau pouvoir, au niveau gouvernement, ou dans la société qui a gagné un esprit conjonctif et au nom de la théorie de la conjonction d'esprit qui va le coucher en quoi par rapport à Cour supérieure des comptes, tribunal administratif paysan, qui là pour capable de faire vérification des comptes, qui là pour capable de veiller sur qui l'argent l'État a été pensé pour voir s'il n'y a pas un détournement. Tout au contraire, l'État très bien que pour Cour supérieure des comptes a renforcé travail dans ce sens-là, tant sur le plan fonctionnel, structurel et organique, pour être capable de faire des bons résultats, puisque chaque année, eh bien, nous tout vous dit qu'il y a un détournement de fonds qui a fait dans le budget d'État, et chaque tout le peuple a tout reproché du monde qui rentre pauvre dans l'État, qui sortit riche, et puis que le monde s'est absiculé libre et libre, sans problème, sans difficulté, quelque part, si Cour supérieure des comptes est assumé responsabilité, lui t'es fait travailler, c'est pas comme ça que le tapis. Autant que Cour supérieure des comptes t'a fort et t'a révélé le responsable en matière d'exécution de loi qui palie attribution pour faire travailler, comme cela se doit autant faire que se peut, c'est autant que le tap bon pour société. Et d'ailleurs, même pas bataille contre la corruption dans le pays, la bataille contre le détournement de fonds publics, de deniers publics, eh bien, et Cour supérieure des comptes, un rôle prépondérant, un rôle primordial pour jouer tout aussi bien, dans sans ça, autant que la Cour supérieure des comptes en tant qu'institution, d'abord, il y a un signal noble, c'est autant la bonne pour la société. Mais n'en déplaise pas, il y a une étude que la Cour supérieure des comptes qui a fait de un dossier, qui a fait de un contrat, et que aucun doit nous approche psychopédagogique de comportement et de réaction institution ça par rapport à dossier là, et pas oublier que l'institution c'est moun qui l'a dans, moun qui l'a dans mieux, ils sorti dans de différents, courants en dans société là, et pas oublier tout que les politiques qui ont fait, et bien ça n'a pas empêché que ou même on a pouvoir, si vous clin d'œil politique ou qui paraît là, ou capable de poser problème sans que pour autant on va déroger à normes, on va déroger à principes, et sans que pour autant tout, on va fragiliser l'institution ça, qui est une grande institution que l'État a gagné, qui doit normalement faire travailler en toute indépendance, en toute autonomie, en toute liberté, l'État doit travailler dans avantage politique pouvoir en place là, et ni avantage politique politique opposition, ni hein, avantage politique sujet des civils là, mais lui doit normalement travailler dans avantage politique peuple haïtien, politique population. Donc nous dit qu'il y a un billet dans des matchs là, nous dit qu'il y a une conspiration, nous dit qu'il y a un complot contre le pays. Donc nous soulevons, mais avec tout respect que nous avons pour l'institution ça qui est noble, qui a fait travailler, nous espérons que lui toujours continue à faire travailler légalement, organiquement, institutionnellement, structurellement, constitutionnellement. Merci Patrick Crispin, conseiller la présidence. Mais avant d'aller, côté l'autre conseiller porte-parole, vous attendez. On a parlé là pour la présidence, à part de même côté tout l'autre monsieur en congé. Nous ne pouvons pas aussi penser qu'il y a une radio dans le niveau Caraïbes, qui sont grosses stations de radio dans le pays d'Haïti, qui a un travail noble, appréciable, qui est capable en retard de phase. Puisque Pierre Renel, qui un journaliste avisé, qui est à jour, connaît que porte-parole là, qui était gagné dans la présidence là, connaît que n'est pas là encore. Un, et deux,
de deux écrasé, t'es gagné en batterie, et le conseiller qui t'avait intervenu dans la presse, c'est pas même, même je veux dire, c'est où même seulement. Non, attendez, mon mando, côté l'autre conseiller, pour qu'il s'en sert celui qui là. Là, comme journaliste, encore, on m'a dit à tête. Il y a d'autres monde qui parlaient, si que me parlait. Ainsi que Vivo parlait et d'autres mondes parlaient pour pouvoir. Je n'ai pas demandé pour dire la vérité, il n'y a que la vérité. On fait un gros menti matin et on menti de méchanceté politique et de méchanceté médiatique et qui réellement pas fait l'honneur à Radio Caraïbes pour servir. Un journaliste là pour poser question. Non, mais non, pas pour faire le sens. Non, pas pour faire le sens. Non, pas pour faire le sens. Nous t'es commencé, non. Nous t'es commencé, le journaliste. Et Pierre Renel, nous sommes journalistes qui formés, qui préparés. Oui, mais vous remettez ça, mais pourquoi ça, c'est ça, c'est ça. Pourquoi c'est une question, ça, vous remettez en doute compétence, mais vous reconnaissez que vous formez, et bien vous là, et parce que... Pierre Renel, vous n'avez pas en doute compétence, vous connaissez qu'on formé. Oui, mais... Bon, question 1, Donc, méchanceté qui cachait dans les questions, elle ne peut pas passer, Jean-Renel. Non, pas de gars, il y a un petit problème matière. Mais merci un peu. On a des problèmes, nous sommes frères. On a un petit problème, quand même matin qui fait que on a agi comme ça pour une question. Si on n'a pas qu'à répondre, c'est la journaliste, Patrick Crispin. Oui. On n'a pas qu'à répondre. Vous comprenez? Une question qu'on fait, le son, ça vous sait. En allez, M. George. Bonjour. Et nous sommes familles. Conseiller Patrick Crispin, et que je ne comprends pas maintenant. Et parce que Patrick n'a pas été dans la radio, on dit qu'un tribunal aussi respectable chez la Cour supérieure des collectifs contentieux administratifs a fait complot. Ça, c'est un outrage à magistrat. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas contents par le SAO. Et nous condamnons avec dernière rigueur que PIA n'a pas passé dans la boule, mais nous, pour l'institution PIA, est-ce que il n'a pas fait ça nous aimer, ou bien ça nous a aimé, et puis, on a soufflé le chaud et le froid. Maintenant, moi-même, vous m'avez dit particulièrement sur le rapport que je vais des contrats. Bagage, ça a son crime financier, moi, je voulais le Sénat par une compétence, pour juger crime. Son bagage qui pour aller dans le tribunal de droit commun. Et puis, on veut à pouvoir, par le commissaire gouvernement pour être chef secrétaire de droit. Et travail, Georges, sous question, oui. Travail là qu'on est contact fait, elle t'a fait pour le Sénat républicain. Donc, c'est normal, on est tout dans la rue, on a bien pris le pour transférer le bagage. Il y a même un Sénat pour vous aller. D'accord, oui. Je vois le Sénat, la présidence nationale même, il va gagner pour voir ça, la constitution va reconnaître. Maintenant, vous avez important pour vous laisser tout pour tout le pays, c'est tout pour tout le pays, le président est mineur. Le constituant est dans Georges. Alors, moi, je prends ça, je prends les constitutions, je prends les constitutions. Et ça, je vous jure, je vais vous dire, je vais arrêter les autres. Les constitutions bas, et au côté, il y a deux constitutions bas, bon. L'article 56 de la Constitution fait de président le principal acteur qui vous régule toute institution. Maintenant, pour voir ça, au lieu de réguler, au crasé, et à dessein. Et je me permets, crasé, à dessein, pour président lui-même, pour jouer un autre là, c'est lui mettre PIA de tout pouvoir dans le menu, contrairement à sa partie de Christophe Sotti, c'est le peuple chef. Donc, et président lui-même, la constitution est basée sur l'éthique comme ça, parce que, après mon Dieu, non, ils sont constitution. Oui. Après constitution, c'est la loi. Après la loi, c'est le peuple là, oui. Après le peuple là, qui le bagaille toujours, qui l'on ira. Ou le président va être là, son bagaille, si on dit non, il va le faire. Son pays est occupé. Ok, on ne peut pas tromper tête. Maintenant,
que le président de Petro Caribéa, président passé au complice, et en vertu de théorie de complicité, complicité subit même peine, même sanction avec acteur principal. Ça veut dire que l'argent Petro Caribéa, c'est n'est qu'au cagoté, sous tonneau, pour nous payer pour nous, pour nous avoir nous, nous disons que, faut que le président aussi inculpé, parce que c'est crime ça, qui fait là. Comme ça, c'est un peu comme dans une dernière chance à expédier. Pour être investi dans l'agriculture, pour être déposé au transcope, pour être pour être jeune haïtien, qui est un petit projet, tant qu'on a un projet, il y fait. Ou on fait une plusieurs jeunes haïtiens qui ont mille petits projets comme ça, mais pas qu'il mais il y a beaucoup de gros nègres, ils ont pile l'argent, ok? Et mes paysans, avec les gens qui prennent projets dans la tête, ils ont besoin de ce qu'on peut payer à personne. Pour le dollar. Pour le dollar, ça, nous ne sommes plus pour tout. Nous, parce que nous pas parler de dollar, ça, le président prend dollar 53. Mais 120 comptes à compter. Ça veut dire que nous vivons trois fois plus pauvres. Alors que le président se promet son point de bagaille, manger dans l'assiette, etc. Alors que nous ne sommes pas capables de manger. Le peuple n'est pas capable de manger. Donc moi-même, je dis que l'argent peut être caillé de ça, tout ça. Mais George, vous êtes contre le président ça, alors que le caractère montre que son commissaire lié, et ses affaires, ils mettent tout le monde à I. Sous quoi le nom de l'évocation, vous comprenez rapide. Mais même pas, c'est comme c'est conscient dans le pays, avec un monde dans le pays. À quoi dans le pays, avec un monde qui a point sur la vie de pour le débat avec le Caribe. Mais George, misère, insécurité, tout ça, dénoncé là-haut, donc c'est pas de dernière semaine, ça y est là. Mais demande est-ce que ça y est, qu'on partage, qu'on rappelle le président que Mario est dans la rue? Moi-même. Parce que même toujours dit la vérité, je me suis dit que je ne suis pas un conchis. Je ne suis pas un conchis. Je ne suis pas un président pour son carré. Je ne suis pas un président pour son élection et mon parlement de l'Ouest-Unis. Je ne suis pas un petit ça. 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 Oui, mais ça va empêcher que vous êtes toujours de bon côté. Non, mais ça va empêcher que vous êtes toujours de bon côté. Ou quitter là parce que vous dites que vous n'avez pas supporté le bas à été ou vous-même. Mais écoutez, je ne vais pas mourir avec parce que vous côté, je me dis au revoir. Et avant de dire au revoir, 6 mois avant, mes yeux, ça ne m'a pas satisfait. Bon, maintenant, je me dis, avant de dire ça, je ne suis pas satisfait par la zone. Donc, c'est pas parce qu'il était menacé qu'il faut quitter. Mais écoutez, il faut partir de partir qui dévoile le général. Si vous menacez, et vous menacez tout, encore plus, parce que tout le monde a des vannes intérieures, qui vous dit que vous avez des intérieures, vous avez une chaque partie, vous avez des vannes. Chaque monde, alors, allez, c'est bon, moi, je vais essayer, ou pas trop faire quoi, ou bien, ou trouver une pauvre. Non, moi-même, mon objectif comme ça, tout pour lui. Mon objectif comme ça. Donc, là, une pointe, mon système. T'as vu, il y a des membres qui vont bon, quand tu ne te bats, il faut pas bien. Ça fait mal. D'accord. Hein? Alors qu'il n'y a pas bien, c'est que moi, je te gagne. Non, la gestion. On paye Accra, qui n'a même pas bien où est-ce que je paye, parce que Accra sont mis là. Mais c'est politique, mais là, il y a plein là-dedans. D'accord. Mais d'accord. Mais merci un peu, maître Georges. D'accord. Voilà. Mais qui c'est un Batman. Comment il fait ça net? Il va à la Bouboulaya. Ouais, il est bon côté. Il n'est pas bon pour lui. Bon, il est chargé. Bon, pour Patrick, nous vivons matin là. Une question. Mais André Michel lui-même est qualifié comme un avis
l'IJUD, décision défavorable à la Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs bas et sous contrat qui signe entre ministère travaux publics, transport et communication avec compagnie générale électrique internationale. Là, d'après avocat militant, la Cour des comptes n'a pas accordé documents en profondeur, il n'a pas abordé documents en profondeur, documents qui vient pour un appel d'offres à opportunité contrat, mais André Michel fait qu'on est le gouvernement Joseph Joutelin n'a pas gagné aucune légitimité pour contracter et en offre qui si important sans pagaie contrôle du Parlement. Mais André Michel, invité la Cour des comptes prend responsabilité. D'un côté, lieutenant Miko Lydie Alexandre. Moi, pensez que son avis très léger, l'avis de la Cour des comptes sur le rapport entre l'État haïtien et la compagnie générale électrique. Pour moi, son avis très léger, c'est des questions de forme qui abordaient. Et pour nous, les questions de fond n'ont pas été abordés dans l'avis de la Cour des comptes. Mm-hmm. Et est-ce que c'est un petit manœuvre, une façon pour envoyer le exécutif là, pour exécutif là, faire quelques petits arrangements, tout petit, pour ça pour avoir un avis favorable. Et je me pose cette question parce que je ne suis pas imbécile, mais pour nous, et les questions de fond n'ont pas été abordées dans l'avis de la Cour des comptes. Mm-hmm. Par exemple, en question de fond, est-ce qu'on peut attribuer un marché aussi important sans un appel d'offres. La question relative à l'appel d'offres n'a pas été abordée dans l'avis de la Cour des comptes. Sans bon appel d'offres, c'est la loi sur la passation des marchés publics. Question fondamentale, ça n'a pas abordé dans l'avis de la Cour des comptes là. Deuxième question fondamentale, pour moi qui n'a pas abordé dans l'avis de la Cour des comptes là, c'est l'opportunité de ce contrat. Et nous sommes dans un contexte exceptionnel. Le Parlement, qui est l'organe constitutionnel de contrôle des actions de l'exécutif, n'existe pas. Et le Parlement est dysfonctionnel par la faute du chef de l'État, qui, au terme de l'article 136 de la Constitution, a la responsabilité de faire fonctionner normalement, régulièrement, les institutions de l'État. Mm-hmm. Je dis, il n'y a pas qu'un Parlement qui peut contrôler. Si vous n'avez pas de budget, eh bien, forme son budget qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'État. C'est les dépenses nécessaires qui vous faites. Dépenses pour payer employés, dépenses pour ces cyclones, dépenses pour la police capable, efficace. C'est bagaille ça ailleurs qui vous faites. Mais un gouvernement de facto, qui n'a pas été approuvé par le Parlement, pas capable à dépenser une série de gros l'argent dans une série de contrats non opportuns. Bref, pour nous, l'avis de la Cour des comptes est très léger. Et moi, je me demande, est-ce que c'est bon manœuvre entre la Cour des comptes et le gouvernement pour envoyer le tourner par le gouvernement, pour le gouvernement faire des droits d'arrangement, et puis par la suite, pour bailler un avis favorable. Pour nous, la Cour doit assumer ses responsabilités. Premièrement, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et deuxièmement, ce contrat n'est pas opportun parce que c'est des corrompus comme dirigeant d'État. Hein? Pas un Parlement qui peut contrôler le gouvernement. Comment on est capable de permettre qu'un gouvernement de facto qui n'est pas passé devant le Parlement a dépensé toute l'agence SAIO dans une série de contrats? Et moi, je crois que la Cour des comptes doit assumer ses responsabilités. Mais nous gagnons un gouvernement à travers le secrétaire d'État, communication, hein, qui, dans une déclaration, fait qu'on est que l'État haïtien pourra le réviser le contrat. Non, mais c'est ce que je vous dis. Je pense qu'il y a eu un arrangement malsain entre la Cour et l'État haïtien. Pour retourner un dossier à bail gouvernement avec des recommandations très légères, et ensuite pour le gouvernement négligeable. Mais les questions de fonds n'ont pas été abordées. Pas un appel d'offres ou pas capable de bailler un contrat de plus de 60 millions de dollars américains sans appel d'offres. Michel, M. André Michel.